Il y a des choses que le grand public ne sait pas forcément, notamment sur le rôle de la Kazinka et de Pohori en particulier, avec l'aventure humaine qui a été l'aventure de l'imprimerie. Depuis cet endroit, il y avait une imprimerie qui était une machine donc clandestine qui avait été volée à la fin de l'année 1942 au consulat d'Italie à Bastia pour arriver finalement dans le village de Pohori, où elle va commencer son activité à même le village, dans la maison d'un ancien inspecteur de police. C'est une organisation clandestine. Si vous êtes d'un naturel aventurier et discret et que vous voulez rejoindre cette armée de libération, cette armée de l'ombre contre l'oppresseur, retrouvez-nous le 2, le 10 et le 16 décembre prochain, ici, à Pohori. Mais bon, soyez discrets.